Bonjour à tous, bienvenue donc pour ce nouvel épisode, le 5 je crois, donc sur mon LP, mais écoutez, l'épisode 5 ce sera la balade. Donc je suis un peu parti sans vous, là je suis un petit peu loin, donc je suis à peu près à 1000, 1700 blocs grosso modo, plein ouest, je suis parti plein ouest, donc je suis à peu près à 1700 blocs du spawn et de la maison. Voilà, parce qu'en fait, je suis parti en me disant, tiens, allez, je vais aller trouver des citrouilles, parce que comme je vous ai dit, pour la maison, je vais mettre des jack-o'-lanternes donc en dessous pour faire de l'éclairage, mieux que des torches. Et puis je me suis baladé, donc j'ai trouvé deux villages, et puis un temple dans le désert. Voilà, donc j'ai ramassé 2-3 ressources. Alors peut-être avant de finir la maison, je pense qu'on ira faire un tour dans le Nether. Donc ce sera l'épisode, enfin celui qui viendra après celui-là. Puisque donc j'aimerais. Donc j'ai laissé des affaires au temple. Et puis bah, il faut que je les récupère. Hein. J'ai laissé 2-3 petits trucs de valeur. Là j'en ai pris quelques-unes. Voilà, j'ai buté des vaches, là ici c'est sans doute un endroit. Par contre, ouais, je trouve super beau cet endroit. Voilà, je trouve super beau en fait. Donc je dis l'épisode suivant, donc aujourd'hui ça va être balade. Ouais, je trouve que là c'est magnifique. Je monte là-haut pour voir un peu la vue qu'on a depuis là-haut. J'ai pas encore d'idée sur... sur l'endroit où je vais m'installer de manière définitive. C'est quoi ça comme bloc? Où est-ce qu'on voit ça? Où est-ce qu'on voit ça? Coarse dirt. Ouais. Prendre un échantillon. Ah, c'est bizarre. C'est marrant. Voilà, mais je trouve cet endroit superbe. Je sais pas vous. Voilà, avec la cascade comme ça. C'est quoi comme biome? Un biome savane. Ouais, je dois être un peu à cheval en fait entre plusieurs biomes. Avec l'eau désert à côté. Ouais, bah je trouve ça. Non, franchement. Là, avec le truc là-haut. Allez, on va essayer de monter là-haut. On monte toujours en haut, hein. Vous allez me dire. Donc, on va monter tout simplement. Alors non, là je peux pas sauter. Allez, on va sauter là. Plouf. Voilà, alors on va essayer de monter. De ce côté-là. Ah bah tiens, on va monter avec l'eau. Je vais arrêter de sauter partout. Merci. Voilà, donc on va monter ici. Hop. Allez, petit effort. Voilà. Je trouve ce coin franchement superbe. Je sais pas vous, mais moi je suis vraiment enchanté de cet endroit. Franchement, j'avais déjà repéré un ou deux endroits comme ça, pas loin du marais, pas loin de chez nous. Mais là, bon, ça fait un petit peu loin, mais avec le Never, on s'en fout un peu en fait. Et je trouve que. Allez, monte! Je trouve que c'est pas mal ici. Hein. On va regarder la vue qu'on a depuis là-haut. Avec cette rivière qui coule comme ça, il y a des trucs à faire là. Il y a des trucs à faire. Ouais. On va essayer de monter. Allez. Encore un petit effort. Grimpe, grimpe, grimpe. C'est pas mal. Au début, j'étais attiré par. Parce que ce qu'on voit de loin, c'est ça. Waouh! Ah ouais, d'accord. Je pensais que. D'accord, c'est en fait c'est une île. Une île volante, hein, c'est ça. Waouh, trop cool. Trop cool. Bon, par contre, je vais peut-être pas trop me tenter de monter là-haut. Waouh! Ah ouais, on a une vue d'enfer! Et comme on doit être un peu à cheval, donc là il n'y a pas de neige malgré le fait qu'on soit. On est quand même à 144, on est super haut. Et il n'y a pas de neige. Ça c'est cool. Wow, pas tombé, hein.
pas tomber. Voilà, je suis en King of a Hill. Ouais. Donc on est un petit peu entouré de désert quand même. Voilà, ça fait un peu petit, hein, pour mettre quelque chose. Mais quoique, ça me rappellera, je joue un petit peu à Agrarian Sky, où on commence sur un truc pas plus grand que ça, hein. Puis après ça devient assez grand. Mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bon, et ben, on va noter les... Je vais noter les coordonnées. Alors, j'ai mon chat. Ma petite mimine qui s'est mis sur les papiers, bien sûr. C'est dingue, hein, tous les youtubeurs ont un chat, alors c'est ça. En fait, c'est beaucoup de gens ont des chats. Donc, alors, je note. Je note les coordonnées. Donc, moins 2200. Moins 2200 et 600. Voilà. Ouais, franchement, enfin, je sais pas vous, mais bah, vous me direz hein, dans vos commentaires ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est vraiment chouette ici. C'est vraiment chouette. Surtout vu d'en bas. Surtout vu d'en bas. Franchement, c'est beau. Alors, laisse tuer encore quelques vaches. J'ai combien de cuir 6. Parce que j'aimerais bien, donc, à la maison, monter un petit peu de... Wow, fait toboggan. Donc, je vais partir. Je vais revenir sur mes pas. Oh, tiens, bah, là-bas, il y a des vaches. Bon, je descends. Par là, par là. Ouais. On va essayer de pas se casser les jambes. Ah, et ben voilà, ça c'est fait. J'essaie de monter sur le truc, mais ça n'a pas marché. On va manger un morceau, histoire de se rétablir. Oula. Allez, on va tuer les vaches. Bon, pas trop non plus, parce que si on compte s'établir ici, il faudra un petit peu. Mais non, viens, 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 viens. Ah. Voilà. Ouais. Ouais, peut-être pas que je parte. Voilà, je vais partir par là. Donc en fait, j'aimerais bien trouver un biome. Donc des citrouilles. Hein, je reviens à mes citrouilles. J'aimerais bien trouver des citrouilles. Alors, par où je vais passer là? Ouais, allez, c'est parti. Ouf. En tout cas, ce coin-là est sympa. Ce coin-là est sympa, plein de cascades. Franchement, ouais. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc bon, ben bah, voilà. Donc aujourd'hui, on se promène. Hein. Épisode promenade. Décidément. Alors, je vais retourner par là. Bon, je vais retourner tranquillement. Je vais retourner. Et puis des lapins. J'ai vu des lapins. On en voit un là, juste là. Un petit lapin. J'en ai pas encore buté un, mais bon, ça ne serait tardé. Pour voir ce qu'il me donne. Cuisse de lapin, patte de lapin. Donc les lapins, je les ai vus dans les plaines. Ils font des petits bruits. Ah, cours, il saute. Oh, il est mort tout seul. Alors, qu'est-ce que ça donne? Du lapin cru, d'accord. Bon. Là-bas. Oh mais ça c'est des tout petits. Oh mon dieu, quelle horreur. Je suis un monstre, je viens de tuer leur mère. Pardon, excusez-moi, j'ai pas vu que maman avait des petits. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bon, j'espère qu'ils survivront sans leur mère. La dure loi de la jungle, manger ou être mangé. Alors, je vais me reprendre mes coordonnées, moi, parce que si je veux rentrer à la maison... donc là j'ai ça qui augmente, donc faut que je parte par là. Et puis là j'augmente aussi, donc faut plutôt que plutôt par là en fait. Bah comme j'ai fait ouest, il faut plutôt non par là non plus. J'ai carrément de l'autre côté.
Voilà, donc ça c'est le temple, il me semble que j'ai trouvé déjà. Bon, on va aller là-bas parce qu'il commence à faire nuit. Je vais m'installer là-bas, je vais mettre mon lit, j'ai déjà ramené 2-3 choses. Parce que le spawn est en moins 200, 200. Donc là, c'est pas vraiment la bonne direction. Est-ce que je l'ai fait? Celui-là, ça me dit rien du tout. Ça me dit rien du tout, je me rappelle pas de la flotte autour. Non, je l'ai pas fait celui-là. Bon, bah voilà, nouveau. À nouveau. Bon, peut-être se coucher avant de le faire. Coucher à la belle étoile. Ouais, je l'ai pas fait celui-là. Je l'ai pas fait. Est-ce qu'il me reste un peu de place? Ouais, ça va être juste encore, hein. Non, je l'ai pas fait. Bon, bah allons-y. Allons-y, allons-y. Je noterai aussi. Bon, c'est bien. Alors, on va partir comme ça. Alors, on va descendre un peu plus sec, hein, parce que sinon, ça va nous prendre. Torche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Oh, émeraude. Ça. Bon. Casser ça déjà parce que si par inadvertance je marche dessus, on a dû faire, bon, ça on peut déjà le prendre. Niveau enchanté, wow, power 4, fire protection, unbreaking, wow, cool. Une selle, du diams. Ouais, alors je sais plus ce que j'ai emmené. Voilà, je vais encore laisser des choses ici. Bon, de toute façon, il sera à l'abri, hein. Donc je vais monter, je vais refaire. Comme j'avais fait pour l'autre côté, j'ai fait pour l'autre côté, donc j'ai fait une table de craft ici. Voilà. Ok, une table de craft. Ça m'embête de. Bon, je vais laisser ça. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que je vais laisser là en attendant? Ouais. Allez, je redescends. Je vais chercher un coffre. Celui-là, il n'y a pas grand-chose dedans. Voilà. Allez, on va aller le monter. Voilà, c'est pour ça que je vais avoir besoin aussi de. Parce que je vais pas me taper tout le chemin à pied à chaque fois pour venir chercher les trucs. Donc. Alors, il est où mon coffre là? Allons-y, alors on va mettre ça. Ça, ça. J'ai récupéré des épées en fer aussi. Émeraude, ça. Ça, ça. Ça, je vais peut-être rentrer avec. Ouais, il faudra vraiment que. Ouais, ça. Ça. Ok, ça je le mangerai, ça me fera une place. Alors, aller chercher ce qui reste en bas, y compris les coffres. Et puis, je vais prendre aussi les beaux blocs là, ceux-là, parce que bon, bah, c'est des blocs qui coûtent cher hein, malgré tout. C'est des blocs qui coûtent cher. Non, je suis content. 3 diams. C'est bien. Plus du fer. Là, par contre, ça, ouais. Power 5. Fire... Alors, ça, c'est chiant, ça. Power 5. Donc, ça, c'est sur les arcs. Headbreaking 3. Donc, ça peut être sur les arcs. Mais par contre, Fire Protection, bah voilà, ce sera un truc. C'est un peu nul, les enchantements comme ça. Parce que là, grosso modo, si vous l'appliquez ça à un arc, et ben, vous perdez.
vous perdez Fire Protection, donc je trouve ça un peu voilà, un peu nul. Bon, je vais remonter, poser tout ça dans les coffres et je vais les casser les blocs en bas. Voilà, j'ai noté. Je vais noter les coordonnées aussi de ce temple. Voilà, donc je fais ça et je vous reprends après. C'est pas la peine que je vous ai cité à mes pérégrinations. Puis après, ben, on retournera se balader. En fait, on va retourner au spawn et j'espère qu'on trouvera des citrouilles. Voilà, à tout de suite. Voilà, je vous reprends. Donc on va se diriger tranquillement là-bas. En espérant qu'on va tomber. Ah, j'ai pas pris les coordonnées de. J'ai pas pris les coordonnées du deuxième temple. Ah, alors j'ai dit moins 2000. Moins 2300. Moins 2300 et 510. Voilà. Si je les prends pas. Hein. Allez, on va s'ériger là. Donc pour arriver en moins 200. 200. Hop, ouais, ça décroît là aussi, ouais, c'est bon. Voilà, j'aime bien aussi ces arbres. Bon, le tronc, enfin la base orange, c'est un peu bizarre. Oh, il y a le soleil qui se couche. Bon, on va poser le lit. Ça fait un peu bizarre, mais le tronc gris comme ça, c'est pas mal pour. Voilà, c'est pas mal. Alors, on va poser notre lit. On va se faire une petite sieste. Allez, sur un beau coucher de soleil. Vraiment, le coin est pas mal. Je le redis. Alors, ouais, c'est bien par là. Allez, c'est parti. On va se remettre en position. Voilà, c'est mon rangement à moi, comme ça. Ouais, franchement, ce petit coin-là, là aussi, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, ouais, on est forcément, on est pas loin. Bon, là, j'ai dit que si jamais je venais là, j'allais laisser les vaches. Bon, on va descendre, parce que visiblement, on va par là, et après. Je peux pas descendre là-dedans de la flotte, ça ira plus vite. Si. Ouf, oh, c'était juste, hein. C'était juste. Allez. Donc, j'ai dit. Il faut quand même remonter un petit peu. Je n'arrive pas à mes coordonnées, ouais, c'est plus par là-bas. Allez. Ah, elle monte. Alors, je vais dans le bon sens ou pas? J'ai l'impression que je vais un peu n'importe comment. Ouais, c'est par là. Je suis monté. Oula. Il mange ça, mon monsieur. Allez, c'est parti. Quand on est sage, j'ai envie de grimper au-dessus. Oh, un village. Eh ben, dis donc, c'est la journée de découverte. On avait bien fait de venir, hein. C'est bien fait de venir là, une immense caverne. Alors ça c'est cool aussi, ce genre de grands endroits comme ça. Ben, ce coin il a à retenir, hein, parce que franchement, entre le truc là-bas, enfin je sais plus où par là-bas, plus ça, parce que là on peut se faire des super trucs à l'intérieur. Alors ce petit village, qu'est-ce qu'on a? Parce que j'ai récolté des carottes. Ouais, il est pas mal celui-là. Hein. C'est quoi ça? C'est des carottes? Non, c'est des patates ça. Ouais, c'est des patates. Allez, j'en prends une. Bon, par contre, les mecs, ils vous manquent des portes là. Hein, je veux pas dire, mais. Là, la nuit, c'est un peu dangereux. Alors, avec un peu de bol, on va trouver un endroit avec plein de bouquins. Une forge. Bon, je verrai ce que font les mecs plus tard. Oui, donc je vais trouver un village et c'est de là que je tenais mes épées en fer, donc
ils sont pour l'instant, ils sont dans un coffre. Alors, même pas une petite librairie, rien. Oh, c'est un peu la jungle chez lui là. Bon. Y a rien, y a rien, y a rien. Y a un cochon. Alors, j'ai pas fait là encore. C'est la réunion de famille là. Là ça donne sur un truc à l'extérieur. Un petit lapin encore. Il est mignon celui-là. Les poules. J'ai pris une carotte aussi. Bon là je peux replanter, c'est bon. Attends, quoi qu'ils replantent maintenant les villageois hein. Donc alors là j'ai fait. Voilà, il reste plus que là. Là j'ai pas fait encore. Là j'ai pas fait. Allez, une petite bibliothèque. Oh là là, c'est vide de chez vide là. C'est vide de chez vide. Hein. Et là c'est pareil. Oh les mecs. Hein. Pourtant c'est des librairies, hein. Normalement. Hein? Comment ça se fait? Sans les bibliothèques à piller là. Il n'y en a pas? Bon ben voilà. On repart. Alors j'ai noté le village quand même, les coordonnées. Oh. Ça y était déjà. Alors c'est le deuxième village que je trouve. Le troisième, je sais plus. Alors là on est en moins 2002. Moins 2002. 290. C'est vrai que je note comme ça, mais je pourrais faire des screens. Hein, mais bon. Voilà. C'est une petite habitude que j'ai pris. 95, voilà, c'est le bon angle. Comme ça. Oh, des citrouilles, super, génial. C'est pourquoi j'ai entrepris mon périple. Et ben allez, c'est parti. C'est parti, à moi les citrouilles. Super, ça c'est cool. Donc là, avec les villageois, j'ai eu des carottes, des patates. Enfin là, sur moi, j'ai juste une patate, mais dans les coffres, dans un des temples, j'ai des carottes. C'est pas mal. Ouais, franchement, je trouve que les générations de maps, ça s'est vachement amélioré. C'est beaucoup plus. C'est beau, hein. C'est diversifié, c'est vallonné, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Là, on est dans la savane. Bon, moi, c'est la couleur de l'herbe qui me gêne un petit peu, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, je laisse le F3 d'allumer parce que sinon je me paume. C'est comme ça qu'on tourne en rond. Il y a des poules. Des cochons. Un petit peu de tout là. Des moutons. Ah ben 88, je vais être un peu trop loin, donc il faut que je revienne là. Après ça, je vais tracer tout droit. Ce sera plus simple. Après, je vais remonter un peu. Je vais remonter mon Z. Hop, hop, hop. Après, je pense que ça va être dans l'autre sens. Parce que là, je longe l'océan. Il me semble que moi, je suis pas loin là-bas. Voilà, 200. Non, c'est de l'autre côté. Non. Je prenne le bateau. Ah ouais. Bah ben, on va se faire un petit bateau. Pas de soucis. Pas de soucis. Alors, est-ce que j'ai une table de craft? Non, bien sûr, je l'ai laissé là-bas. Allez, on va s'en refaire une. Hop. Alors surtout quand vous partez en expédition comme ça, prenez du bois parce que je devrais en avoir assez là avec 7. Prenez du bois parce que si vous en trouvez. Enfin, surtout si vous allez en exploration dans des galeries. Là, forcément il n'y a pas de bois. Là ici, en extérieur, du bois, c'est pas ce qui manque.
Allez, on va jeter à l'eau. Essayer de pas faire exploser le canot. Bon, en tout cas, mission accomplie hein, pour ce qui est de la tâche que je m'étais fixée pour cet épisode-là. Je m'étais fixé, bon, donc exploration, et puis je m'étais fixé donc de trouver des citrouilles. Donc c'est chose faite. Il faut que je trouve des lianes aussi. Alors ça c'est encore un biome. Alors est-ce que je peux le contourner? Est-ce que c'est une île ou je sais pas quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que là je réduis plutôt. Ça freine ou c'est moi? Je suis à combien là? Où est-ce que c'est le nombre de frappes par seconde? Avec les nouveaux trucs, j'arrive pas à voir aussi. 18, ah ouais effectivement, ça rame. Ça rame. Ouais c'est parce que ça charge là. Ces endroits où je suis pas allé donc là ça charge à fond. Après on essaiera de se trouver, enfin bon, on va pas faire de l'exploration tout le temps, mais on essaiera de se trouver aussi un peu de jungle. Voilà, parce que j'aimerais bien voir un petit peu de tout quoi. Ah, je vous reprends. Voilà, je vous reprends, un petit coup de fil. C'est ça, hein, la célébrité. Bon. Donc on continue. Tiens, j'ai pas ma... Ah ben non, c'est vrai qu'on est sur un bateau. Sur un bateau, en fait, on mange pas. Ben, on est assis, donc je me dis, mais ils sont où mes gigots? Mais non, ils y seront pas, forcément. Et la nuit arrive. Bon, ben voilà, la nuit arrive. Hein. On s'en fout, on est en bateau. C'est juste qu'on va frôler. Si jamais on frôle, ça va attirer des mobs, mais... Bon, bah là on se rend tranquillement, il y a des petits freezes de temps en temps, parce que les chunks se chargent. Là, j'ai pas beaucoup exploré, hein. J'ai exploré quoi, peut-être une centaine de blocs un petit peu autour, et encore du spawn, donc c'est la première fois que je m'éloigne un petit peu comme ça, donc forcément, et toutes les bestioles qui apparaissent brusquement. Voilà, je vais vérifier un petit peu où j'en suis là. À 400, faut que j'aille un petit peu par là, non, par là, non plus, faut que j'aille où? Là-bas, 834, par contre là ça augmente, là, tac, 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 voilà, par là, plutôt que j'aille comme ça. Bon, bah, pour l'instant, il se passe rien de près de spécial, donc bah, écoutez, je vous reprends quand on arrivait, hein, normalement, en plus, je suis au bord de l'eau, donc je risque d'arriver par l'autre côté. Voilà, donc, bah, écoutez, on se reprend tout à l'heure, et puis je vais regarder un petit peu le temps qui est écoulé. Donc, à tout à l'heure. Bon, je viens de regarder le temps et on est bien au-delà déjà des 20 minutes. Donc, eh bien écoutez, voilà pour cet épisode un peu exploration. On a vu des chouettes trucs. Hein. Je vous dis à bientôt pour la prochaine fois. Donc la prochaine fois, on ira dans le Never, parce que j'aimerais bien relier les endroits que j'ai visités. Et ensuite, on reprendra la construction de la maison. Voilà, comme ça, ça varie un petit peu, parce que si je vous fais 2-3 épisodes sur la construction de la maison, ça va pas forcément être... Voilà, au bout d'un moment, on se lasse un peu. Donc, la prochaine fois, donc expédition dans le Never. Voilà, donc j'y suis pas encore allé. On ira ensemble. Et voilà, donc, eh bien, à bientôt. Bye bye.